Le mec là, habillé comme un témoin de Jéhovah, c'est Denis. Hé hey, les mecs, on dirait Madame Pasqui. Croque-mort. Toujours en train de ramasser de la cendre, même après le boulot. Bon, revenons à la soirée. On s'éclatait bien. Soirée bon enfant. Sympa. Maurice. Ouais. Ça y est. Hey yo, vous pensez que j'ai mes chances avec la bouffe là? Aucune. Même Denis a plus de chance que toi. Pourquoi tu dis ça, toi? Parce que t'es pédé. Quoi, pédé? Ah, t'as plutôt que faire enculer, ouais. Et regarde. Action. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique dans quel genre de court-métrage on est. C'est peut-être une pub. Vous avez été payé, vous? Pas nous. Et moi non plus. Ouais, vous avez raison, c'est pas une pub. Et puis si c'était une pub, il y aurait un logo quelque part. Ouais, et une musique à la con. On a qu'à demander au type là-bas. Oh lui, c'est pas la peine, il dira rien. Comment ça? Bah c'est un figurant. Bah pourquoi il parlerait pas? Mais s'il parlait, ça serait plus un figurant. Ah ouais, c'est pas logique. Il faut qu'on sorte d'ici. Hein? Ouais. Au fait, Edouard, tu sais, la femme de ta vie, il se l'est faite quand vous étiez en vacances ensemble dans le Luberon. Quoi? Oh. Oh mince. Oh non, tu savais... Tu lui avais pas dit? Oh, je suis désolée. Non, mais vraiment, c'est une vraie gaffe, là. C'est... Putain, tu vas fermer ta gueule, connasse. It's okay. What are you doing? I'm fine. What are you doing? I'm fine. What are you doing? I'm fine. Elle est malade. Mademoiselle, venez de griller un feu rouge. Contrôle du véhicule. J'ai grillé un feu rouge, vous êtes sûr? Franchement, c'est super stressant d'avoir une bonne conduite, hein. Ils m'ont l'air fatigués, vos phares. Mes phares? Non, ils fonctionnent très bien. J'allume tout ce qui bouge la nuit. Vous voulez que je vous montre? Clignotant. L'autre? Essuie-glace? C'est une vraie plaque d'immatriculation que vous avez là? Ah oui, bien sûr, je viens d'aller chez le dentiste. Vous avez bu? Ah non, je bois jamais. De toute façon, au volant, c'est pas l'alcool qui est dangereux, c'est la police. Pardon? Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec mes airbags? Non, non, ils sont très beaux. Quelques excès, non? Ah non, je me serre la ceinture. Je ne dépasse jamais ma ligne, je suis limitée à 60 kg. Je suis pas un poids lourd, hein. Mais tout roule. C'est un tour pour voir. Belle carrosserie. Oui, j'écoute. J'ai les infos sur le cashback. C'est le site cashstore.fr qui est derrière tout ça. Ils ont des centaines de sites marchands dans leur gang. Et dès que tu achètes quelque chose, ils te reversent de l'argent sur ton compte. Cash. Cash? Mais elle est où la magouille? Mais justement, il n'y a pas de magouille, c'est parfaitement honnête. Et c'est pour ça que tout le monde doit savoir. Très bien, ça fera la une de demain. Cécile? Cécile! Personne doit savoir. Cashback. Ceux qui connaissent ne veulent pas que ça s'ébruite. Si je vous disais, on part n'importe où, mais on part tous les deux, sans faire de mal à personne. Sans faire de mal à personne? Sans que personne ne le sache. Un week-end tous les deux sans réfléchir. On arrêterait de réfléchir. On ferait tout sans réfléchir. Peut-être. Peut-être? Il vaut mieux que je me sauve. Pourquoi? Vous me gênez. Vous êtes fait des images? De quoi? De nous. Est-ce que vous êtes imaginé, vous et moi, dans un hôtel? Un peu. Un peu? J'ai eu des images, oui. J'ai regardé vos mains. Mes mains? Elles vous plaisent, mes mains?
Ouais. Il vaut mieux que je me sauve. Salut. Bah écoute, j'avais dit de pas me téléphoner sur ce numéro là. Bon. Comment? Bah je sais pas, cherche sur internet, tu trouveras bien. Bah écoute, je te laisse, hein, j'ai vraiment du boulot. Ok, tu passes le bonjour à Véro? Allez, à plus. Oui? Oui, pardon. Oui? 200,3 et 93,2. Très bien, merci. Dans le casting, vous aussi? Quoi? On est dans un film? Mais vous êtes? On n'en sait rien. Et vous? Pareillement. Et nous ne saurons pas qui nous sommes avant d'avoir trouvé le scénario. C'est quoi ça? C'est rien. Ça fait ça tout le temps. Et d'ailleurs, pourquoi je suis en nuisette? Mais ça doit être un truc des producteurs pour que le film soit vu plus souvent sur le net. Les sourds, Nora. Ben, j'espère que personne ne meurt à la fin. Bah, c'est qu'elle nous foutrait les miquettes avec ses réflexions, celle-là. Bon, faut qu'on sorte d'ici.